Nouveau tuto plaquage, je vous donne tous mes conseils et tous mes produits. On me le demande sous chacune de mes vidéos quand je fais cette coiffure, donc let's go. En premier, j'essaye d'humidifier mes cheveux un maximum, soit avec un brumisateur, soit avec de l'eau de romarin. La deuxième étape, ça va être d'étirer ton cheveu un maximum. Vraiment, tu tires pour que ton cheveu il soit bien tendu. Ensuite, tu réunis tes cheveux à la hauteur que tu veux. Tu prends ton peigne et là, tu étires un maximum. Ça va vous éviter d'avoir des bosses et ça va vous faciliter le plaquage. Tellement j'ai étiré mes cheveux, mes sourcils s'étirent, se liftent tout seuls. J'essaie d'avoir un plaquage parfait, du coup j'utilise une brosse en poil de sanglier. Ça va me permettre d'attraper tous les cheveux et d'unifier tous les cheveux de la racine. Ensuite tu fais une tresse, un chignon comme tu veux. Là j'ai galéré et hop là, c'est toujours pas bon. Et une deuxième fois, c'est toujours pas bon. La troisième, ça m'a saoulé, j'ai attaché. D'ailleurs si vous avez les cheveux bouclés, n'hésitez pas à prendre vos élastiques chez Primark. Ils sont géniaux, trop bien. On continue d'étirer les cheveux un max avec la brosse. Et là, attention, c'est le produit que j'adore en ce moment. C'est le Edge Control de chez Beauté Insolente. C'est une cire colorée. Dès qu'on l'applique, ça devient transparent. J'ai complètement mis de côté la Red One parce que celle-ci est incroyable. En plus, elle est naturelle, donc c'est parfait. Pour plaquer vos cheveux ou vos sourcils, je vous conseille d'acheter une brosse pour les babyhairs. Vous avez du coup d'un côté la brosse avec les petits picots. Et surtout, de l'autre, vous avez le peigne. Et bien sûr, n'oublie pas de plaquer l'oreille. Mais oui, très bien. J'insiste bien au niveau de la racine des cheveux pour donner une jolie forme. Vraiment, ce mouvement-là, il change tout votre visage. Ça étire le visage, ça lifte vos traits. C'est vraiment un beau regard, j'adore cette coiffure. En tout cas, essayez d'utiliser vraiment des produits naturels pour vous plaquer les cheveux. C'est totalement possible si vraiment vous voulez un chignon vraiment parfait de danseuse étoile, de ballerine, tout ce que vous voulez. Foncez, achetez la gamme Got To Be. C'est une colle qui peut coller des perruques, donc pour vous dire, c'est hyper efficace. J'en mets pas énormément, je spray vite fait. Après, je replaque avec ma brosse poil de sanglier. Vous avez vraiment un plaquage qui dure toute la journée. Et pour les plus perfectionnistes, vous avez ce genre de gel avec des picots sous forme de mascara, qui est pas mal pour les petites zones un peu chiantes, genre au-dessus des oreilles. J'ai même hésité à me plaquer les sourcils aujourd'hui avec, mais finalement je suis restée sur Got To Be. Du coup voilà, j'espère que tous mes conseils vous auront plu.